Chers amis, bonjour. Merci d'accueillir chez vous ce petit temps de méditation proposé par notre communauté protestante française de Londres. Merci de partager ce moment avec nous. Nous espérons qu'il vous fasse le plus grand bien et qu'il soit un moment béni pour vous tous. Quoi qu'il en soit, que nous soyons seuls ou en couple ou en famille, sachons que l'Esprit du Dieu vivant est avec nous, chacun là où nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde plein d'incertitudes, car il est un monde en reconstruction et que nous ignorons ce que cette reconstruction va donner, va changer, va exiger de nous et ce vers quoi elle va nous acheminer. Mais encore aujourd'hui, louer Dieu, le chanter, l'adorer est la meilleure arme contre la peur qui nous menace et les questions qui nous travaillent. En commençant le culte par la louange, nous confessons que notre vie chrétienne est toujours précédée par la bénédiction de Dieu et que les premiers mots de la foi sont des paroles de reconnaissance. Alors, avec les quelques très beaux versets du roi David dans ce psaume 139, nous disons à Dieu notre louange. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu connais toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Dans l'Épître aux Romains, après avoir expliqué pendant 11 chapitres que tout homme, quel qu'il soit, peut trouver le salut en Dieu, Paul en vient à parler des conséquences pratiques de ce salut dans la vie de l'Église. Et nous lisons maintenant quelques versets de ce chapitre 12. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Que l'amour soit sincère, fuyez le mal, attachez-vous au bien. Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans la détresse, persévérants dans la prière. Bénissez ceux qui vous font du mal, bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. S'il est possible, pour autant que cela dépend de vous,
vivez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Prions. Tu nous invites au renouvellement de notre intelligence, et nous sommes tellement lourds et lents à comprendre les chemins de l'Évangile. Tu nous appelles à discerner ce qui est bon et juste, et nous sommes paresseux dans la recherche de tes voies. Nous préférons agir selon nos propres idées ou selon des lois toutes faites. Tu nous exhortes à être vainqueurs du mal par le bien, et nous préférons fuir le mal ou le combattre avec nos propres armes. Ô Seigneur, aie pitié de nous. Et conduis-nous dans des sentiers de ta justice. Apprends-nous à être joyeux dans l'espérance et patients dans la détresse. Apprends-nous à bénir ceux qui nous entourent, même ceux qui nous persécutent. Apprends-nous à bâtir la paix, à être artisans de réconciliation. Apprends-nous à choisir le pardon plutôt que la vengeance. Que ton évangile ne reste pas une lettre morte lue dans un livre, mais qu'il devienne parole vivante pour nos vies. Amen. L'amour de Dieu envoyé pour nous a été manifesté en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous ayons la vie par lui. Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille maintenant tel que nous sommes. Il nous réconcilie avec lui-même, avec nos frères, avec notre propre personne. Il nous relève, nous inspire pour que nous soyons des hommes et des femmes de foi et de liberté. Dieu nous pardonne et nous sauve en ce sens qu'il nous guérit. Il nous restaure, il nous fait confiance, il nous envoie, il nous remet en marche. Puissions chacun, chacune, puissions-nous vivre de ce pardon. Je ne crois pas à la fatalité. Je ne crois pas que la vie soit absurde. Je ne crois pas que l'être humain, même coupable, égoïste, orgueilleux, soit à jamais coupé de la source de salut. Je crois en Dieu, Père de tous les humains qui leur a donné la terre. Je crois en Jésus-Christ qui a vécu parmi nous, qui est mort et ressuscité. Il a vécu sur la terre une vraie vie d'homme. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Il est le centre de l'univers et la certitude de la résurrection. Je crois en l'Esprit Saint qui nous engage dans l'amour et le service du prochain. Je crois que Dieu confie à son Église la mission d'annoncer à tous les humains l'amour, la liberté et l'espérance. J'espère qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de tout amour.
Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit « « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où il n'a pas semé, et qui amasse où il n'a pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Voilà cette parabole des talents, une des paraboles les plus connues de Jésus et qui a inspiré l'Église et les croyants tout au long des siècles. Alors le défi est toujours le même, c'est d'essayer de discerner maintenant pour nous, aujourd'hui, en 2020, quelles leçons retirer de cette parabole qui pourrait nourrir notre foi et nous aider à donner une direction à notre marche dans ce monde. Alors pour nous aider à saisir de nouvelles lumières dans ce passage, il faut déjà nous arrêter et réfléchir un peu peut-être sur ce mot de talent. Parce que si on lit un peu vite, on peut déjà s'indigner ou en tout cas s'interroger sur une injustice apparente. À l'un 5, à l'autre 2, au troisième 1 seul. Alors pourquoi ça et comment comprendre ces fameux talents? Voilà déjà ce qu'en dit un dictionnaire d'étymologie. Talent est le latin talentum qui vient du grec talenton, plateau de balance, unité de masse et monnaie. Et en français, au figuré, c'est une valeur intellectuelle d'après la parabole des évangiles où le talent, monnaie enfouie, figure des aptitudes non utilisées. Autrement dit, sans cette parabole, eh bien, nous n'aurions pas en français le mot talent et ce serait bien dommage parce que nous n'aurions pas d'équivalent exact. Il y a bien don, aptitude, capacité, mais qui ne disent pas exactement la même chose. Donc si on prend le mot talent, tel que nous le rend nos Bibles, eh bien, nous sommes dans une impasse car fatalement, on le verra à travers notre interprétation de notre culture, de notre langage, de notre langue française, avec son sens. C'est pourquoi je vous invite, quand vous le relirez, à peut-être rebaptiser ce texte la parabole des lingots. Ça donne une meilleure idée que le mot talent. Et ce serait d'autant plus juste que le talent paraît avoir pesé entre 25 et 35 kilos d'argent. Donc en fait, le maître a remis 150 kilos à l'un, 60 kilos à l'autre, une trentaine de kilos au dernier, et on comprend déjà mieux pourquoi le texte ajoute que le maître donne à l'un 5, à l'autre 2 et au troisième 1 seul, selon chacun selon sa force, selon sa puissance, selon sa capacité, dunamine en grec. C'est une histoire donc de poids. Il est donné à chacun selon ce qu'il pouvait porter, supporter. Alors la différence entre les serviteurs se situe ailleurs que dans cette histoire de répartition.
Et c'est peut-être que les deux premiers serviteurs, eux, ont cru que la parole qui leur était confiée était vraiment leur parole. Ils se sont appropriés cette parole et ils se sont empressés de la placer, de la semer, de la faire travailler, dit l'Évangile, et bien sûr, elle a rapporté. Et c'est pourquoi ils ont été tous les deux des serviteurs croyants, nous dit le texte, serviteurs fidèles dans le sens de croyants. En grec, ce mot fidèle-là insiste sur cette croyance. Tu as été croyant en des choses qui ont peu de valeur, je te confierai plus. Hein, et voilà, ces deux premiers ont été des serviteurs croyants. La réaction du troisième serviteur montrera que lui n'a pas compris les choses de la même manière. Il a pris le royaume pour une usine, il n'a pas cru que ce lingot était vraiment à lui, ce lingot qui lui était confié, et il n'a pas cru à l'amour et à la confiance de son maître. Le premier disait « Tu m'as remis 5, tiens, en voilà 5 de plus. » Le second disait « Tu m'as donné 2, en voilà 2 de plus. » Le troisième dira « Je suis allé cacher ton talent dans la terre, prends ce qui est à toi. Hein » En fait, lui ne croit pas. Il ne s'approprie pas le don de son maître. Et il semble bien content même de s'en débarrasser parce qu'il ne le comprend pas. Il avance en fait dans la vie avec cette image d'un Dieu tyran, d'un Dieu méchant, d'un Dieu mauvais, et il a peur. Et sa peur le tient figé, complexé, inhibé, paralysé. Il n'avance plus et ce lingot donc est devenu pour lui une espèce de fardeau, une réalité étrangère dont il faudra quelque part un jour la rendre de toute façon. Et il fait de la conservation. De la parole et de l'esprit du maître, il fait un dépôt mort. Alors non seulement il se sclérose dans sa vie spirituelle, probablement aussi dans sa vie tout court d'ailleurs, mais il fait de ce temps de voyage du maître un temps parfaitement inutile, vain et stérile. Enfin, toujours est-il qu'en racontant cette histoire, Jésus prend son temps. Après avoir entendu parler des deux autres, les auditeurs se demandent maintenant qu'est-ce qui va arriver au troisième dont nous savons déjà qu'il a enfoui le lingot de son maître. Parce qu'après tout, cet homme, il est en règle, on ne peut apparemment rien lui reprocher, il n'a pas volé le talent reçu, il l'a totalement conservé, totalement restitué. Mais voilà, la pointe du récit, la leçon principale de la parabole, c'est peut-être précisément ce qui va arriver à ce troisième serviteur et la parole que le maître va lui adresser. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Et déjà, voilà pour Jésus où le bât blesse, où il y a faute, dénaturer l'image de Dieu, considérer Dieu comme un tyran inaccessible et dangereux. Alors évidemment, toute relation avec Dieu est faussée quand on commence à se défier de lui, quand on commence à en avoir peur, à le craindre. C'était déjà d'ailleurs la tentation d'Adam et Ève avec que le serpent leur avait suggéré. Dieu n'est pas ce qu'il dit être. En fait, il ne vous vaut peut-être pas du bien, etc. Et nous reconnaissons là notre tentation fondamentale, originelle, pourrait-on dire, ne pas considérer Dieu comme étant plein d'amour pour ses enfants, ne pas considérer Dieu comme celui qui fait alliance avec les hommes, mais considérer Dieu à la place comme un Dieu sévère, comme un Dieu concurrent, redoutable à notre liberté et à notre bonheur, qui ne pense qu'à soi et qui redoute même, en fait, le bonheur de l'homme. Alors on peut observer aussi à ce stade que les deux premiers serviteurs ont fait fructifier leur avoir dès qu'ils l'ont reçu. Aussitôt, nous dit le texte, hein, verset 16, alors que le troisième, lui, s'est isolé pour le cacher et qu'il n'en est rien sorti. Par peur, il est resté stérile. Et c'est là peut-être encore une évidence, mais qu'il est bon de rappeler, pour faire travailler leur talent, les deux premiers ont naturellement été vers les autres. Sans les autres, seuls, isolés, rien n'aurait été possible pour eux. Et il en va de même pour nous. Si nous voulons voir notre compréhension de Dieu en nous bouger, évoluer, se déplacer, grandir et porter du fruit dans le royaume, eh bien nous avons besoin des autres. Et c'est dans notre rapport à l'autre, dans notre échange avec l'autre, dans une relation de réciprocité, d'échange, que ce que nous comprenons de Dieu a une petite chance de bouger, d'évoluer, de grandir, de s'épanouir. Que notre théologie en nous peut travailler, hein, comme de l'argent travaille. Alors peut-être ce qui est reproché là au troisième serviteur, c'est cette méconnaissance fondamentale de la vraie nature de Dieu et du rapport de l'homme avec Dieu. Et surtout de ne pas vouloir en chercher, de ne pas vouloir chercher à en changer, de ne pas vouloir se déplacer.
C'est pourquoi ce serviteur, il ne va pas être condamné parce qu'il a refusé de servir, parce qu'il a été paresseux ou qu'il aurait été un gestionnaire très moyen, mais parce qu'il s'est fait de Dieu une idée complètement inverse de ce que Dieu est en réalité. Il a eu peur de Dieu et il s'est mis dans un strict rapport de justice avec lui. Finalement, cet homme rempli de crainte manque de l'essentiel. Il n'aime pas son maître et il faut bien noter que ce que Jésus rejette ici, ce n'est pas une personne, c'est une attitude. Alors par ces mots, le Christ nous invite donc à oser. Oser prendre le risque de le découvrir aussi dans la foi des autres, de ceux qui le vivent, qui le prient, qui le méditent, qui le reçoivent de manière différente de la nôtre. Ces autres auprès desquels nous sommes envoyés pour miser notre vie, notre temps, notre foi, pour avec eux faire agrandir et faire fructifier le royaume. Fuir nos talents, comme nos doctrines, c'est l'inverse, c'est avoir l'obsession de la sécurité, c'est éviter tout risque, alors que l'évangile, lui, veut être répandu, écouté, récolté, fécondé aussi par nos confrontations avec celui qui est différent. Bref, être disciple, c'est faire fructifier le royaume qui nous est confié. Et celui qui ne pense qu'à conserver ce qu'il a reçu, maintenant on le sait, demeure stérile. Or, l'évangile ne nous a pas été donné pour que nous le gardions comme une espèce de trésor stérile. Non, nous sommes responsables de sa semence, de sa croissance, de sa fructification. Et comme le maître de l'histoire partant au loin, Jésus nous a confié la responsabilité qui était la sienne, faire advenir le royaume. Je termine. Que retenir de tout ça, finalement? Peut-être déjà que Dieu nous veut libres et responsables, et il nous fait confiance pour que nous exercions cette liberté et cette responsabilité par nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il part au loin. Ce n'est pas un abandon, c'est un acte de confiance, plutôt. Et il nous confie la croissance du royaume. C'est un texte qui nous parle de croissance. Croissance en nous, d'abord, et nous ne pouvons rien d'enterrer, qui ne devienne un terme stérile, on le sait maintenant, une croissance dans notre relation aux autres, relation sans laquelle le royaume, nous prévient Jésus, va stagner, croissance en nous et croissance avec et par les autres, croissance dans notre manière de voir et de comprendre Dieu aussi, de l'interpréter. Ce texte nous invite à oser. Oser miser ce que Dieu nous donne pour le semer et le faire fructifier auprès des autres, parce que c'est dans cette collaboration que grandit notre foi et que s'élargit toujours plus ce royaume qu'il nous confie. Amen. Pierre d'intercession. Prions pour ceux qui cherchent Dieu à tâtons, qu'ils le trouvent. Pour ceux qui croient posséder Dieu, qu'ils le cherchent. Pour tous ceux qui ont peur de l'avenir, qu'ils aient confiance. Pour ceux qui ont échoué, qu'ils aient de nouvelles chances. Pour ceux qui doutent, qu'ils ne désespèrent pas. Pour ceux qui s'égarent, qu'ils retrouvent leur chemin. Pour ceux qui sont seuls, qu'ils trouvent l'amitié. Pour ceux qui ont faim, faim de tout, qu'ils soient rassasiés. Pour ceux qui sont rassasiés, qu'ils apprennent la faim. Pour ceux qui réussissent, qu'ils soient sans orgueil. Pour les puissants, qu'ils soient vulnérables. Pour toutes celles et tous ceux qui vivent dans ce monde entre l'espoir et la peur. Pour nous-mêmes, prions Dieu. Délivre-nous de la peur, ainsi que de fausses sécurités, et donne-nous tout ce qui est bon pour nous. Par le Christ, avec qui nous te chantons. Faites sur la terre comme au ciel.
Voilà, notre temps de méditation se termine maintenant. Merci de l'avoir partagé avec nous. Et où que vous soyez, nous vous souhaitons à tous un très bon dimanche, une très bonne semaine. Juste avant, pour terminer, je voudrais vous laisser cette parole de Desmond Tutu. Faites le bien, par petits bouts, là où vous êtes, car ce sont ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en nous la plus belle des moissons et nous transforme en semeurs pour le royaume. L'Éternel est avec nous tous. Amen. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Oh.